Bonjour tout le monde, je suis G et bienvenue à une toute nouvelle capsule de la série Nouveau Départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'une chatte au nom de Sophia et de son bébé Hope. G, parle-moi un peu des origines de Sophia. De Sophia, bien, ça a commencé par un appel parce qu'il y avait une femme qui l'avait vue à l'extérieur. C'était quand même fin janvier, donc il commençait déjà à faire, il faisait froid déjà dehors. Puis c'est sûr qu'elle ne voulait pas que Sophia passe le reste de l'hiver toute seule dehors au froid. Donc elle la trouvait super belle, super gentille à distance, mais du moment qu'elle s'approchait d'elle, bien, Sophia elle avait peur. Donc, c'est pour ça que quand elle nous a appelé à la deadline, puis elle voulait savoir vers où qu'elle pouvait se diriger avec une chatte comme ça. Tu dis que Sophia avait peur? Oui, parce qu'elle était sauvage, elle était craintive. Elle pouvait voir la femme et son mari à distance, mais dès qu'ils s'approchaient, elle voulait fuir. Elle avait très peur. Mais elle revenait? Elle revenait parce qu'elle lui donnait à manger. Puis elle savait qu'il n'était pas menaçant parce qu'il respectait sa vie. Puis qu'est-ce que tu as conseillé à cette dame-là? Cette dame-là, après ma banque, quand on a demandé des questions déjà là au téléphone, on lui a dit qu'elle commence à créer des liens. Parce que là, déjà là, elle nous disait qu'elle lui avait fait un abri à l'extérieur pour qu'elle puisse avoir un petit peu de chaleur. Elle nous disait aussi qu'elle avait commencé à la nourrir. Donc, on voyait quand même qu'il y avait comme un début là, qui était déjà commencé avec elle. Donc, on lui a dit qu'elle commence à créer des liens un petit peu plus intenses, si elle était capable de travailler de la nourriture, les récompenses. On pense, puis d'essayer de la rentrer dans la maison pour essayer vraiment d'aller la flatter, de la toucher. Parce que si ce step-là est fait, pour nous, c'est plus facile de rentrer en action après. Comment s'est passée la prise en charge de Sophia? Dans le fond, quand on a reçu l'appel de la dame qui était déjà rendue au stand de pouvoir rentrer Sophia dans la maison, elle était quand même capable de la garder un 30 minutes dans la maison, puis elle et son mari étaient capables de la flatter avant qu'elle demande la porte pour aller dehors. Donc ça a été comme notre premier step qu'on pouvait vraiment rentrer en action. C'est là qu'on a décidé de faire son admission au refuge, puis de la rencontrer. Parce qu'on avait donné beaucoup de recommandations, mais en même temps, on voulait voir, on sentait qu'elle était prête, puis on voulait voir vraiment c'était qui mademoiselle. Sophia en personne. C'était quoi tes premières impressions de Sophia? Sophia, bien, c'est sûr qu'elle était très craintive. Quand elle est arrivée, on voyait que c'est une chatte qui n'était pas habituée de fonctionner à l'intérieur. Elle avait peur, sa bulle était très importante, les pupilles étaient dilatées. Donc, c'est vraiment ce qui nous avait frappé beaucoup. On s'en attendait, mais c'est sûr que c'est ça, elle avait beaucoup peur. Elle était super belle. Elle était vraiment super belle. On avait hâte de créer des liens avec elle, ça je m'en rappelle. Puis aussi, physiquement, bien, elle était très gonflée du ventre. Donc, nous, c'est sûr qu'une chatte qui vient de l'extérieur, des fois, ça arrive. Hein, ils arrivent au refuge puis ils sont remplis de verre. Donc, c'est ça. C'était ce qu'on a cru remarquer de mademoiselle. Qu'est-ce qui a caractérisé le cas de Sophia? Tout s'est concrétisé vraiment quand on était à la clinique vétérinaire. Parce que, honnêtement, comme j'avais dit avant, quand elle est arrivée, elle était tellement gonflée du ventre qu'on se disait elle est remplie de verre. Mais non, on a appris une nouvelle que j'allais être marraine pour la 30 000e fois. Donc, je m'attendais vraiment, vraiment pas à cette nouvelle-là, cette journée-là. Puis, quand ma vétérinaire m'a dit, ben non, elle est vraiment gestante, là. Et à quasiment 90-95%. Fait que ça voulait dire que les bébés arrivaient bientôt. Fait que là, tout s'est mis à rouler dans ma tête. Fait que je me disais, OK, là, on a fait son admission. Était quand même, elle commençait à être à l'aise un petit peu dans le bureau avec nous autres. Fait que ça veut dire qu'on peut pas faire une autre admission en famille d'accueil. Donc, on a décidé de devenir sa famille d'accueil puis de la garder pour tout le processus au complet. Fait que là, il y avait plein de choses qui se passaient. Là c'était un côté, OK, là, il faut la garder, là, il faut préparer que là, il y a une portée qui s'en vient, il faut préparer le bureau, nous autres, l'approche avec les animaux, tout allait vite. Mais en même temps, on s'est dit, bon, les bébés sont là, ils s'en viennent, il faut créer des liens avec Sophia le plus vite possible. Ouais. OK, puis pourquoi c'est important de créer des liens avec Sophia avant qu'elle accouche?
Dans le fond, c'est parce qu'un coup que les bébés y arrivent, après, c'est sûr, hein, c'est l'instinct animal. Elle, si les liens ne sont pas créés, elle va devenir encore plus protectrice de ses bébés. Puis là, ça va nous rendre la tâche plus difficile de créer des liens aussi avec elle, parce que là, elle a un nouveau rôle là, pour elle. Là. Donc, c'est de, sachant que dans le bureau, il y a beaucoup d'énanantes, il y a des animaux qui sont ici. Donc, tout cet aspect-là, on s'est dit non, c'est mieux de créer les liens, faire les points de repère avec, créer des points de repère avec elle. Créer nos routines pour qu'elle voit que tout est safe, qu'elle peut avoir sa portée puis que tout va être bien. Fait que c'était là. Puis autre que ça, elle est en bonne santé? Oui, super! Honnêtement, pas de verre. Pas de verre. Fait que des bébés qui s'en venaient, puis non, elle est en bonne santé. Puis quand nous, on l'a amenée en clinique vétérinaire, c'est sûr que les liens étaient déjà là un petit peu plus. On était capable de la prendre, la flatter, tout ça. Puis non, tout était beau, ouais. Quel était le plan d'action? Dans le fond, de retour à la maison, là, on savait qu'on organisait le bureau pour la petite portée qui s'en venait. Donc, en premier lieu, on s'est vraiment concentré sur la socialisation de Sophia. Donc, on a eu l'aide de notre siamois, M. Arthur, qui nous aide beaucoup, beaucoup avec les minous qui rentrent au refuge. Puis, c'est drôle parce que quand ils se sont rencontrés, ils ont eu tout de suite une complicité. Puis, on dirait qu'Arthur le sentait. Parce que Sophia, on voyait, là, plus la bédaine a commencé à prendre l'ampleur. Puis, on voyait qu'elle avait qu'elle n'était pas molestée, mais des douleurs. T'sais, on sentait qu'elle était inconfortable. Fait quand elle se couchait puis qu'on voyait la bédaine grosse de même, Arthur, tout de suite, il la voyait, il venait, il se couchait à côté d'elle. Puis un moment donné, on a une photo, là, les deux, ils ont leurs pattes de même, puis ils la regardent comme si c'était le papa. Fait qu'il l'accompagnait là-dedans, puis il venait voir tout le temps si c'était correct, tout ça. Fait qu'ils ont eu une belle complicité ensemble. Puis nous autres, ben c'est sûr qu'aussi qu'on l'a socialisé avec notre lapin, Snow, qui nous aide aussi avec les portées de chatons qu'on a. Donc Snow, notre cochon d'Inde, Smog aussi. Puis ils habitaient toute la petite gang, ils étaient tous ensemble dans le bureau. Donc on a comme créé une petite nouvelle famille, dans le fond. Là. Fait que ça, c'était cute. Puis en même temps, ben c'est sûr que nous, on avait un travail de manipulation, de socialisation, mais aussi de créer des points de repère. Donc, à tous les jours, tous les soirs qu'on fermait le bureau, on partait la musique, la petite chandelle, on créait des liens avec elle, on lui faisait des massages, puis elle aimait ça. Fait que ça a été tout ce travail-là qu'on a vraiment mis l'emphase sur ça à peu près 3-4 semaines, ouais, avant que les bébés arrivent. Et là, un mois plus tard, la date d'accouchement s'en venait. Exact. Donc, une autre étape commençait. Oui, donc là, la deuxième étape, c'était l'accouchement de Mademoiselle Sophia. Écoute, elle a accouché le 11 mars. Tout ça est arrivé vraiment dans le gros lockdown de la COVID. Hein, quand tout le monde, on a su là, qu'est-ce qui se passait. Tout le monde, il y avait beaucoup de panique, c'est sûr. Hein, les gens, on était tous là-dedans. C'était de l'inconnu pour tout le monde. Puis nous, ben, le 11, elle accouchait. Fait qu'on a décidé de filmer son accouchement au complet. Il y avait tellement, tellement d'émotions, puis on voyait que Sophia, sur les réseaux, là, les gens voulaient apprendre à la connaître, tout ça, tout le monde la suivait. Donc, sur notre page Facebook, on a vraiment les vidéos de sa gestation, on a les vidéos de l'accouchement aussi. Puis écoute, ça a été un moment incroyable, elle nous a donné trois beaux bébés. Puis tout le travail, là, Ali, qu'on a fait, moi puis Mike, dans les dernières semaines, quand elle a accouché dans la penderie, écoute, elle cachait ses bébés, elle nous a regardés, elle les a pris, puis elle nous les a présentés. Je capotais. J'étais là, oh my god! Puis écoute, elle était en train d'accoucher du troisième, là. Puis nous, on touchait pas, on était là, on la filmait loin, là, mais tu sais, elle nous a présenté ses bébés. Écoute, c'était comme le plus beau cadeau là, qu'on pouvait avoir parce que... Démonstration de confiance. Ben oui, puis en même temps, tu sais, on pense... Si on recule en arrière, il y a une couple de semaines, elle était sauvage, elle était à l'extérieur, elle ne nous connaissait pas. Fait que ça, on est devenus super émotifs, là, c'était cool, c'était vraiment le fun comme moment. Puis en même temps, ben on l'a tout en vidéo, fait que les gens, ils peuvent aller voir cette vidéo-là, c'est cool. Ouais. Nice. Mmh. Et c'est bien passé? Super bien. Est-ce que vous assistez l'accouchement dans le sens où est-ce que vous faites activement des choses ou vous laissez vraiment faire ben, la nature, comme on dit? C'est une très bonne question. C'est sûr que nous, on va rester là en observation. Parce que ça, un accouchement, on ne savait pas hein, quand ça allait arriver. Puis honnêtement, c'est arrivé dans un moment où on était en train de fermer le bureau, on l'a cherché, c'était dans la penderie.
Puis là, écoute, quand on s'est rendu compte, on s'est dit, gars, on est présent, on a la chance d'être là, fait qu'on est resté comme en observation pour voir si elle faisait ça bien comme il faut, puis si elle avait besoin d'aide. Mais tout s'est super bien passé, elle était maternelle comme ça se peut pas. Fait qu'on était là avec elle, on l'encourageait, on la flattait, on était vraiment, on l'a pas, tu sais, on a vraiment passé tout le long de son accouchement avec elle. Ouais. Mais tout s'est bien passé, fait que c'est une belle histoire. Comment s'est passé les semaines suivant l'accouchement? Ben c'est sûr que les premiers jours, tout allait bien. On était toujours présents parce que son petit coin était dans le bureau avec nous autres. Mais 3-4 jours après, on s'est rendu compte qu'il y avait un bébé qui était décédé. Donc, c'est sûr qu'on est conscient quand même que les chatons, c'est très fragile. Donc, quand ils viennent au monde, on est super contents. Mais en même temps, on dirait qu'il y a comme une petite alarme dans le cerveau qui dit écoute, c'est fragile encore, on les laisse grandir, on les laisse évoluer. Fait que le premier est décédé. Puis une semaine et demie après, on en a perdu un. Donc là encore là, ce que nos vétérinaires nous disaient, c'est que c'est ça. Des fois, faut laisser la nature aller parce que ils sont tellement fragiles quand ils sont tout petits. Hein. Même qu'ils aillent leur mère ou qu'ils n'aillent pas, ils sont tellement leur système immunitaire, tout. T'sais, des fois, ils arrivent au monde puis on ne sait pas est-ce qu'ils sont en santé, est-ce qu'ils ne sont pas. Elle s'en occupait super bien, mais on dirait qu'il y a eu un arrêt cardiaque puis vraiment. Le deuxième, il est parti au ciel. Fait que, encore là, c'est sûr que pour elle, on sentait là, que ça aussi, c'était spécial parce que, surtout le dernier qui était déjà un petit peu plus gros, hein, ça s'est pas passé au début, puis elle regardait son bébé, puis on dirait qu'elle comprenait pas, tu sais, fait qu'on y a laissé un petit peu, après on l'a pris, puis on a mis beaucoup l'emphase sur le dernier qui restait. Puis après, ça s'est fait naturellement, puis c'était correct. T'sais. On a vu que le deuxième, quand il est parti, là, elle voulait le transporter, puis il y avait de la confusion. Ouais, elle était confuse. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, ben, on s'est dit, OK, on va mettre l'emphase sur le dernier. Puis tout de suite, on dirait que tout le temps qu'elle avait avec ce petit dernier-là, là, la complicité, là, ça a fait boum. C'était écœurant. C'était vraiment le fun parce que. C'est fou comment que les animaux, puis là je vous en parle, mais tu sais, en même temps, ça émet des belles leçons de vie parce que, tu sais, la nature est là, on peut pas aller contre la nature, mais en même temps, les animaux, ils ont c'est des êtres qui sont vivants, là, je veux dire, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, j'ai aucune idée. Nous, on est capable de parler, on est conscient, on peut exprimer nos émotions par des mots. Les animaux, c'est action-réaction, puis on les voit, sauf que, c'est beau de voir que malgré ça, ils continuent, puis ils vivent le moment présent, puis OK, c'est arrivé, mais là, elle avait un autre bébé à s'occuper, puis elle a continué ce qu'il fallait qu'elle fasse, puis tu sais, c'est une belle leçon de vie de faire comme « wow », tu sais, elle a accouché de ces bébés-là, c'est ses bébés-là. Mais elle a été capable de continuer, puis de ne pas se laisser mourir, puis de s'occuper de son dernier comme si c'était comme tout pour elle, là, tu sais. Fait que c'était quelque chose. Puis le petit dernier, ben quand on a vu une couple de semaines que tout allait bien, qu'il mangeait, c'était comme, il fallait le rationner tellement qu'il mangeait, là, puis il avait une belle joie de vivre, puis tout ça. On a décidé de l'appeler Hope. Parce que bébé Hope était vraiment dans le contexte de la COVID au début, comment c'était, on avait besoin des belles images, on avait besoin de s'accrocher aux belles choses quand c'est arrivé. Fait qu'on a décidé de l'appeler comme ça. Puis là, ben Hope, j'ai l'impression qu'il y a eu l'énergie de son frère et de sa sœur parce qu'il y en avait dedans. Il était beau, il était allumé, il était curieux, il était espiègle. Hope et Sophia pouvaient jouer ensemble comme si c'était des frères et sœurs. C'était tellement beau de les voir. Puis écoute, ils mettaient tellement de la vie dans le bureau que Sophia, là, des fois, quand on s'en occupait, là, on dirait qu'elle nous regardait en voulant dire OK, je suis en pause, occupez-vous de lui. Mais non, c'était super cute de les voir. Fait que oui, c'était triste, mais en même temps, on a pu continuer et aller de l'avant puis de s'accrocher aux belles histoires. Ouais. Puis te connaissant, t'as mis beaucoup d'efforts dans la socialisation de Hope dès les débuts.
Oui. Quel genre de socialisation on comprend? Ben, c'est sûr que Hope, je voulais qu'il passe du temps avec maman, ça c'est sûr, parce que c'est trop important. Puis en même temps, ben, c'est sûr qu'avec toute la gang qu'on a ici, lapins, cochons d'Inde, des chats, des chiens, je voulais vraiment qu'il voit le plus de choses possibles. Puis même moi, des fois, je travaillais dans le bureau, puis je sais qu'il y a des vidéos puis des photos sur Facebook aussi que je l'ai toujours dans mon capuchon. Fait que je l'avais toujours dans mon capuchon, il s'endormait, je faisais mes chroniques, j'écrivais, je travaillais, puis il était toujours dans mon capuchon. Puis même des fois, il demandait, là, il voulait grimper, il voulait vraiment aller dans mon capuchon avec moi. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est ça, il a vu de tout, puis on a pu lui donner une bonne base en socialisation. Il a vu de tout? Tout. génial. C'est vrai que ça fait des belles images. Je les ai vues passer. Ouais. Puis, franchement, c'est cute. C'est cute. Hein? Puis en même temps, c'est des beaux souvenirs parce que tu te dis, je sais que dans le futur, ces animaux-là vont être adoptés. Mais s'ils peuvent avoir la meilleure base possible, la meilleure. T'sais? C'est pour ça qu'on en beurre épais puis on prend le temps avec nos animaux-là. C'est pas juste de. On les sauve, on les rentre dans le réseau d'adoption, puis on en prend d'autres, puis on fait un. Non, c'est. Ils sont avec nous, ils vont rester avec nous le temps qu'on a besoin, puis on va essayer de leur donner le maximum, puis quand on sent vraiment qu'ils sont prêts, ben là, ils rentrent dans la maison. Puis du moment que Sophia a été amenée au refuge, et du moment que Sophia et Hope ont été adoptées, combien de temps? 6 mois. Ouais. Six mois. Ouais. Sophia, elle a été admise au mois de février 2020, puis elle a été adoptée le 1er juillet 2020. Quels étaient les critères d'adoption? On voulait une famille qui pouvait les adopter les deux ensemble. Ouais, on voulait pas les séparer. Ah non, non. Écoute, ils ont passé... c'est sûr que Sophia puis Hope, on les a eu quand même quelques mois. Puis la complicité a fait que c'était hors de question qu'on les sépare. Ouais. Fait qu'on est allé pour une famille, un couple, qui ont... ils ont vu leur histoire, ils ont vu leurs images, ils ont vu leur... C'est venu les chercher, puis ils se sont dit « Non, on les adopte les deux ensemble, on a la maison, vraiment l'environnement adéquat pour eux autres. » Puis quand on leur a parlé, c'était comme juste magique. Ouais, fait qu'on est allé pour eux. C'est quoi le type de famille que vous recherchez? Ben, c'est sûr que quand on a à dealer avec des chats sauvages, craintifs, anxieux, c'est sûr qu'on va y aller avec une famille qui va avoir un environnement plus calme, plus zen. Parce que c'est difficile pour eux autres. Il faut penser que nous autres, on a créé des points de repère avec l'environnement ici. Mais la nouvelle famille d'adoption, on repart à zéro. Donc, si l'environnement, ça bouge trop, c'est trop stressant pour eux autres, bien, tout ce qu'ils ont connu avant peut faire peut revenir à la surface. Fait que pour nous, on s'était dit, bon, Sophia, c'était fragile, on va y aller sans enfant, environnement calme, puis bébé Hope, ben, il va suivre sa mère, fait que ça va être correct. Ouais. Tes premières impressions de la famille d'adoption? Magique. Magique. Pour ne pas dire wow. Ouais, pour ne pas dire wow. Ah, il était tellement sweet. Honnêtement, tellement sweet, tellement doux. Autant le monsieur que sa conjointe, là, on l'avait senti déjà au téléphone pendant l'entrevue téléphonique, que c'était des gens respectueux, des gens super attentionnés. Puis quand je les ai rencontrés, c'était comme juste parfait parce que autant que j'expliquais que Hope, il y en avait dedans, qu'il y en avait pour trois, mais qu'il fallait avoir vraiment pensé à faire de la stimulation alimentaire, qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent même un pont comme on a ici, là, s'il aurait pu faire ça chez eux pour qu'ils puissent grimper puis tout ça avec sa mère. Il était super. Enthousiaste de ça, puis il était ouvert. Il disait, OK, je vais faire ça. Puis là, je vais aller sur Pinterest, puis aller vous chercher des idées, puis on en a donné aussi. Puis on voyait que l'ouverture était là. Fait que je trouvais que, non, il était là, il adoptait pour les bonnes raisons, puis il comprenait, puis il respectait leur histoire, puis leurs besoins, tu sais, de ce qui s'en venait. Parce qu'il faut penser que, OK, Sophia était calme, était une chatte adulte, mais. Hope, il y en avait dedans, là. Hope, il était jeune, il avait besoin de découvrir, de bouger. Ça aussi, on avait besoin quand même d'un grand environnement parce que je ne l'aurais pas vu dans un 3,5, là. Hope, il était très, très, très actif, là. Ouais, fait que non, j'ai adoré ma rencontre. C'est des amoureux, puis d'animaux, puis ils étaient très, très, très...
très minutieux dans tout. Non, ouais, j'aimais ça. En conclusion, c'est avec plaisir qu'on vous partage les images de leur nouveau départ. Et un gros merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et on se revoit vendredi prochain.